Bonjour et bienvenue ici Lady Rose pour vous parler de l'actu de la chaîne du mois de juin. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que là on est déjà, bah, on, va, on est le 30 juin donc euh, on est bientôt fin juin donc. Euh, comme j'en ai parlé à, à certaines personnes, euh, au mois de juillet je vais avoir des petits déménagements dans ma chambre. Je vais, je vais, je vais tout faire rénover donc. Euh, pendant un moment, j'aurais pu mon setup avec les, les doubles écrans et, et même tout, toute mon installation avec les les, ordi, les enfin, tout installer bien comme il faut. J'aurais sûrement juste mon ordi portable en attendant, que tout soit fait à neuf et tout ça. Enfin, je ne sais pas combien ça va prendre de jours. Hein. Ça peut-être peut prendre une vingtaine de jours, je n'en sais rien. Donc, à mon avis, ben, il n'y aura pas de, beaucoup de vidéos en, en juillet. Soit je vais vous en préparer avant que les, qu'on commence à, à faire les, la, la rénovation. Donc, euh, soit je vous en, dans les jours qui viennent, j'en tourne un peu et puis euh, j'essaye de, de vous en monter. Donc, je sais pas encore parce que ces derniers temps, je suis pas mal, pas mal occupé. Je suis occupé à essayer de finir certains jeux. Donc, du coup, j'ai pas fait beaucoup de tournage et, euh, et puis en plus, s'occuper aussi avec bah, bah, ma vraie vie, forcément. J'ai des choses à faire, tout ça. Donc c'est pas forcément évident. Donc euh, je sais pas si j'aurai le temps de faire du tournage, hein, sachant que là je vais vous communiquer euh, les prochaines vidéos qui devraient arriver. Donc euh, l'épisode 12 de, de Star Wars Old Republic euh, devrait arriver le 1er juillet. Et vous aurez un, un épisode, euh, je vais pas vous spoiler le, le jeu de Rose l'exploratrice, pour le 5 juillet. Donc, ça se trouve, après, pendant presque la moitié du mois, vous n'aurez pas grand-chose à vous mettre sur la dent. Ça, ça dépend combien de temps va, vont durer les rénovations, combien de temps ça va prendre pour les lancer, hein, parce que ce ne sera pas forcément à partir de début juillet ou à partir du 5, hein, j'en sais rien. Que... Il enfin, faut déjà que je finance les, les travaux, quoi. faut que j'achète le papier, il faut que j'achète des petites choses, quoi. Et mine de rien, ça peut vite revenir cher hein, quand vous faites toute la, la rénovation. Faut que je me trouve une house de, de canapé. Enfin, de, de clic-clac plutôt, parce que c'est pas un canapé, c'est un clic-clac. Enfin, tout un tas de trucs. Enfin, je verrai ça, donc je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais soit je prends le temps de vous faire dans les prochains jours quelques, quelques sessions. Et comme ça, bah, vous aurez des vidéos tout de même. Je pense pas que je vais en faire une aujourd'hui parce que j'ai pas le courage, hein, voilà, honnête est jusqu'au bout donc euh, on verra on verra mais quoi qu'il qu en soit c'est du cette euh, pas de vidéo mais ce blabla que je vous fais en vous parlant de l'actu de la chaîne je vais l'upload et vous l'aurez euh, directement aujourd'hui ce genre de fichier ça prend pas longtemps sachant aussi que normalement je ne devrais pas tarder à avoir la fibre donc euh, quand j'aurai la fibre je pourrai uploader plus rapidement des vidéos donc, euh, ce sera très très bénéfique aussi. Et peut-être aussi euh, me lancer dans le streaming. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais, mais ça, pour le streaming, quoi qu'il en soit, il faudra que ça, ça sera après que ma chambre ait été complètement rénovée. Et que, bien entendu, la fibre soit arrivée. Donc, ça ne veut pas dire que j'aurai la, la fibre euh, en juillet. Enfin, ça se trouve, ça repousse en septembre. J'en sais rien. On verra bien. Donc, ce n'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Donc, je répète encore une fois, le mois de juillet risque d'être assez calme en sortie de vidéo, sauf si je prends le temps de tourner des sessions en avance avant les rénovations. Voilà. Et je voulais vous parler très rapidement parce que je ne vais pas m'attarder non plus des masses sur ce sujet. Je pense que vous avez entendu parler ces derniers temps de tout le mouvement Black Lives Have, Have Matter. Enfin, c'est un nom comme ça, je crois, ouais. Enfin, bref, on, on s'en fiche. Et de toute cette propagande qu'on se prend sur la gueule, c'est si qu'à le dire, où euh, vraiment on, a, on arrive dans un effet de société que bah on en vient à du racisme anti-blanc, en fait. C'est littéralement ça. Hein. Euh, vous avez des enseignes comme L'Oréal, Coca-Cola, qu'ils ont honte euh, des mots blancs dans, dans leur enseigne. Enfin. Coca-Cola, je ne sais plus pourquoi ils ont fait ça. Euh, je vais regarder, parce que là, je suis en train de vous dire de la merde. Euh, à Coca-Cola. Évidemment, ça ne me mais pas ce que je veux. Euh... Attendez, je vais, je vais taper les mots de clé qui font du bruit. Voilà, Black Lives Matter. Ah voilà, j'ai un article. Contenu haineux Coca-Cola et Starbucks mettent à leur tour en pause la pub sur les réseaux sociaux. Donc voyez, il y a tout un budget tout ça, oh, le racisme et tout ça. Mais attendez, attendez. Vous êtes certain que les gens sont racistes Vous n'êtes pas sûr que c'est parce que c'est des gens qui en ont vraiment marre de se faire marcher dessus, que c'est des gens qui en ont marre de, de se sentir menacés quand ils se promènent dans la rue, Qu'ils en ont marre de se dire d'être inquiétés que, que justice ne soit pas faite quand il y a un cambriolage. Ils s'en fichent de la couleur de peau. C'est n'est pas de leur faute c'est des noirs ou, ou des arabes ou j'en sais rien qui commettent des crimes. Il y, a, il y a bien des blancs aussi. Mais arrêtez avec tout ce tapage médiatique sur le racisme. Je sais, l'autre machin, George Floyd, il s'est fait étrangler. Ça, c'est une bavure. OK, d'accord, ça, c'est pas bien. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre dans le sac tout le monde en disant que les blancs, c'est les méchants de l'histoire Non, je suis désolée. faut vous calmer un peu avec ça. Donc, non. Je suis désolée, mais toute cette propagande nauséabonde, limite, c'est vraiment du nazisme, en fait, à ce niveau-là. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot là-dessus, c'est des nazis. C'est de la pensée unique. C'est-à-dire, vous pouvez plus faire une blague, vous pouvez plus parler de l'histoire, hein, de l'histoire qui s'est passée, que ce soit avec Napoléon, que ce soit avec la Confédération, ou n'importe quoi. Ok, ils ont fait de l'esclavage, ok, ils ont fait des choses horribles, mais ça fait partie de l'histoire. Ça ne concerne pas. Ça fait des années que c'est arrivé, des années, des années. C'est pas notre problème. Nous, on n'est pas là pour euh, pour ce genre de choses. Non, je suis désolée. Enfin bref, je vais pas je vais pas débattre là-dessus des heures et des heures. Hein. Je vais juste vous donner mon avis sur tout ça. Sachez que sur ma chaîne, hein, quelles que soient les vidéos, si j'ai envie de dire de la merde, je dirai de la merde. Je n'ai rien à foutre de leur bien-pensance. Si j'ai envie de faire des blagues racistes, j'en ferai. Je m'en fiche. C'est pas un. C'est pas un crime de faire des blagues à la con. Hein c'est pas. J'ai pas besoin de m'excuser pour avoir fait des blagues ou des propos un peu limites. Ça veut pas dire que je suis une grosse raciste haineuse, ni rien. Non, c'est juste que. C'est juste que voilà. On a envie de s'amuser, on a envie de rigoler. Ça veut pas dire que. Vous savez, c'est quoi des propos haineux bah, C'est quand vous faites des menaces de mort sur quelqu'un. C'est quand vous menacez la vie d'autrui. C'est quand. Enfin, voilà. Ça n'a rien à voir avec. Euh bien sûr, si vous dites des, des trucs comme, euh, je sais pas moi, par exemple, euh, euh, par exemple, bah, salle noire, des conneries comme ça, là d'accord, c'est raciste. Mais si vous plaisantez, si vous rigolez sur une couleur de peau, vous faites des, vous parlez de l'esclavage ou, vous parlez des champs de coton, ça c'est, c'est du caricature, c'est de l'humour, c'est des conneries, ça a rien à voir avec du vrai racisme. Donc calmez-vous, calmez-vous tous les SJW. Tous les gauchistes qui sont derrière tout ça, tous les démocrates qui soutiennent tous ces mouvements-là, hein, calmez-vous bien. La haine n'est pas la solution. Si vous voulez, prôner contre, contre l'antiracisme, faites dans la diplomatie. Faites, euh, je sais pas moi, par exemple, euh, soyez ayez une approche un peu moins haineuse envers tout le monde. Dites euh, bah aux blancs qui qui foutent la merde qu'au lieu de dénigrer que bah voilà, c'est pas cool de, de mal parler de ces gens-là, mais qu'en contrepartie, vous comprenez un peu la raison de toute cette rancœur. Là, c'est, ah, hein, vous êtes des méchants racistes, des nazis, nanéens, racistes, racistes, fascistes, fascistes. Non, je suis désolée. Faut comprendre, la plupart des gens qui sont réellement racistes sont des connards, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui sont racistes. Parce qu'ils en ont marre de l'insécurité. Ils en ont marre de craindre pour leur vie. Ils en ont marre de, de s'inquiéter pour leurs gosses qui vont à l'école et qui se font euh, tabasser pour un rien. Ils en ont marre de, de se faire tabasser pour un mauvais regard. Ils en ont marre de, de se faire voler leur bagnole euh, ou de se les faire brûler pour un rien. Ils en ont marre de tout ça. Donc forcément, ils généralisent. C'est sûr, il y a des blancs qui foutent la merde et ça. Enfin bref, j'en ai déjà parlé, je vais pas y revenir. Donc euh, voilà, je voulais vous donner mon avis sur toute cette affaire de, de société. Et tout en plus aussi va vous donner des infos sur la chaîne. Donc euh, oui, je vais continuer. Euh, Star Wars Old Republic. Après, je sais pas si quel jeu on aura d'autres, mais il y en aura d'autres. Mais sachant que le stream, les streams, euh, quand j'aurai les live... Enfin quand j'aurai les lives, pardon, quand j'aurai la fibre, euh, ouais, je ferai des streams. On verra sur quel jeu et tout ça. Il y aura juste une règle qui changera jamais avec euh, la façon que, admettons, je ferai du tournage de mes vidéos ou stream, c'est que quand Tenko fera Tenko Hideyoshi Aka le vieux fera des bah, bah, des streams, euh, moi je j'aime bien regarder et, et le soutenir, bah pendant ce temps-là, moi je ne tournerai pas. Donc voilà. Donc voilà, c'était Lady Rose. Hein. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Euh, cette tirade et, et d'avoir mon avis sur toute cette, la situation euh, actuelle, c'est-à-dire la situation politique et bah, tout se buzz sur Black Lives Matter et tout ce qui en découle. Mais je voulais vous donner mon avis, que ça plaise ou non. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.